au nom des déshonneurs. Thank you.
on tire uniquement à balle réelle. Assez spécial, qui demande quand même une formation très, très, très dure, une formation avec beaucoup d'exigences physiques, mais également des exigences morales. C'est une unité qui appartient à la gendarmerie mobile et qui est là pour quand même la lutte contre le grand banditisme de manière générale. Donc la lutte contre le terrorisme, vraiment le grand banditisme au sens propre même du terme. Donc c'est une unité spéciale qui quand même, par rapport aux exigences de la formation n'est pas en fait ne prend pas qui veut. En fait, il faut beaucoup de volontariat, il faut des éléments volontaires, engagés, qui aiment ce qu'ils font et qui sont prêts à aller au front, qui sont prêts vraiment à aller au contact parce que c'est la spécificité même de cette unité qui fait cette différence. C'est un choix en fait du gendarme qui a confiance en ses capacités physiques, à ses compétences physiques, parce que la formation peut durer dans le temps. Garama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. Fine, on a dit que la position plus haute.